Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Je suis la chanteuse Nana Lukezo et une fois de plus, je viens vous parler de ce projet qui met les femmes ensemble. Toutes les femmes avec moi. La première édition a eu lieu le 5 mars 2016 à l'hôtel Vénus et c'était des moments extraordinaires où nous étions mis ensemble pour pouvoir célébrer Dieu ensemble et pour pouvoir honorer des femmes chantres qui nous ont donné goût à la musique, on va dire ça comme ça. Nous avions eu la première édition qui a eu lieu à Kinshasa à l'hôtel Vénus le 5 mars 2016 et c'était des moments extraordinaires qu'on a pu passer ensemble. Le concept est tout simple. Nous sommes des femmes chantres et nous nous sommes mises ensemble dans l'organisation pour pouvoir honorer d'autres femmes. D'autres femmes, quand je parle d'autres femmes, ce sont des femmes qui nous ont donné goût à cette musique et le répertoire était très varié. Nous avons eu à honorer des femmes telles que Maman Bouloba, Maman Tété Djungandeke, Maman Tuzolana, Maman Lili Sumbela, Maman Feza Chamamba, et il y a eu beaucoup de dames qui ont influencé notre ministère. Il y a eu la sœur Henriette Fouamba aussi que nous avons pu honorer ce jour-là. Et je n'étais pas seule à relever ce défi-là. J'étais accompagnée de mes sœurs, de mes consœurs, telles que la sœur Alice Ali, la sœur Lambongo, Aksa Olangi, la sœur Lidine Seya, Sandra Mbouyi. Et nous avons eu aussi nos sœurs qui nous venaient du Gabon, qui nous ont fait honneur ce jour-là. La sœur Ida Moulaka et la sœur Diane Omega. Nous étions toutes ensemble pour pouvoir élever le grand roi et pouvoir honorer ces grandes dames qui nous ont donné goût à faire cette musique que nous faisons aujourd'hui, le gospel. Alléluia, de chercher l'éternel, de passer de la souffrance au pouvoir. Amokina lokumu Yesu, mon pari qui te commasia. Là, je viens vous annoncer que la deuxième édition est déjà là aussi, à la même date, le 5 mars 2017. Et cette année, pour cette deuxième édition, nous sommes encore là, entourés des grandes chantres, des femmes de valeur qui seront là avec nous, telles que moi-même, bien sûr, la sœur Mireille Bassiroua qui sera avec nous, notre sœur, nos petites sœurs que nous avons vraiment voulu avoir avec nous, notre sœur Jeannette Kalela du groupe Shekina de Mike Kalambay, elle sera avec nous aussi pour adorer Dieu et pour aussi montrer à sa génération qu'elle a eu aussi des gens qui ont marqué sa vie dans la musique. Et il y a la sœur Nancy Bouzi, Mamie Nzungu qui nous viendra de la France, notre sœur Annie Singa, Karine Mouyanzi, maman Aimée Lubinga qui sera là aussi et nos invités qui nous viennent un peu de partout.
notre sœur Cynthia Zélie qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Lena Harry qui vient de la Côte d'Ivoire, Blanche Blessing qui nous vient du Cameroun, de Yaoundé. Et puis il y a aussi notre sœur Evelyn Wanjiru qui nous vient du Kenya, notre sœur Otieno, Janet, qui nous vient aussi du Kenya, qui sera avec nous. Il y a notre sœur Fideline qui nous vient de l'Afrique du Sud, qui sera là aussi avec nous pour pouvoir élever le roi. De l'Angola, nous aurons notre Irma T. Kwanzambi, ainsi que notre Irma Ruth Kunyasa, qui sera avec nous aussi pour élever le grand roi et pour relever ce grand défi qui est d'honorer ces grandes dames qui nous ont marquées, qui nous ont donné goût. Le répertoire est très varié, le répertoire est magnifique. Il faut être là pour écouter les anciens chants qui ont été revisités au goût du jour et tout ça pour la gloire du grand roi. Voilà, je ne peux pas clôturer sans dire toutes les femmes avec moi.